c'est le grand départ. Le blond à droite, c'est Luc. Et le brun sur la gauche, c'est moi, Paul. Et le troisième compère en vert, c'est Mayeul. Il nous accompagne sur les 5 premiers jours. Les 5 premiers jours d'une aventure, la traversée des Alpes françaises à ski, de la Méditerranée jusqu'au lac Léman. C'est trop chaud. Hein, mon gros? Ça, par contre, c'est sûr. Ils sont dégueulasses. Hein? Ça dirait de prendre une petite douche. Franchement, là, ça a l'air d'être c'est l'eau de source. Normalement, c'est marqué source. Il ouais. Y a pas de bête au-dessus, rien de toute façon. Non, à part trois ânes dégueulasses. C'est énorme. On va rentrer et vous chaussez. Hein. Ouais. Non, mais en été, tu reviens ici, tu la remplis, tu passes de bons moments. Cette traversée ne se résume pas au ski. À pied ou sur les planches, sous tente ou en refuge, nous sommes toujours guidés par la curiosité. Ce n'est pas vraiment les plus hauts sommets et les pentes les plus raides que nous cherchons. Nous sommes en quête d'aventure. Et l'aventure, en cherchant un peu, on la trouve partout. J'ai pas pris ma lampe. Omar va venger sa mort. Et ouais, frère. Lui, merci. Oui. C'est fait pour des petits hommes comme nous. T'es sûr que c'est pour mettre des gens? Bah, mec, c'est quand même pas très grand. Il reste plus des paniers de légumes qu'autre chose. Mais... Et au moins la place pour un mec de 1m75. J'ai tapé un truc tout à l'heure, j'ai eu peur de me perdre quand on avait pas la lumière. Un caillou là, faut juste faire attention. Et ça c'est... Et ce soir, ça se moule. Oh non, mec. J'ai mis trop d'eau. Ça a bastonné toute la nuit. C'est 3h40, mec. 3h40, c'était... Quand je me suis levé pour aller voir les skis, c'était la tempête. 3h40, je me suis dit, ah ouais, ça y est, on va s'envoler. Ouais, c'est parti. Parce que j'avais peur que les skis s'envolent. Ah ouais, il est carrément sorti.
Moi j'étais un peu en forme de banane puisque j'ai creusé là, tu vois. Genre j'étais relevé là-bas, relevé là, c'était terrible. Ça chauffe les mollets, ma gueule. Et bien ça cogne avec un gros sac. Hein. Cinquième jour. Ici au refuge des merveilles, l'aventure prend une autre forme. Après 5 jours de portage, demain, place au ski sur les pentes du Mercantour. Demain, c'est aussi le jour où ma gueule s'en va. On rentre dans le dur. L'isolement et l'engagement augmentent. J'ai un peu d'appréhension et je sens bien que Paul aussi. Enfin sur les skis. Le massif du Mercantour est sauvage, les cols sont souvent raides. La neige est difficile sur les hauteurs, voire carrément dégueulasse en fond de vallée. Mais malgré tout, on avance vite et on ne boude pas notre plaisir d'enfin être sur la neige. J'avais fait des descentes de merde, mais alors celle-là, dans le top 10, je pense. Et on déchausse pour la 15e fois. Je pense que même à pied, en déchaussant, c'est encore plus dangereux à mon avis. Comment c'est gelé. Joie. Après la dérouillée qu'on a pris il y a 4 jours, on a pris des résolutions. Et maintenant on fait des gros murs de neige. Bon Luc, c'est quoi la météo annoncée pour cette nuit? Il va faire moins 8 degrés, j'ai un duvet, moins 9 degrés. Vas-y larvé. Serré. C'est pile poil. C'est pile poil. En vrai là ça meule de faire un bon moins 5 d'après la météo. Mais il n'y a pas de vent donc ça va. Ça supporte bien. Il fait beau, c'est surtout ça le principal. Luc. Merde. On a dit ça a pété jusqu'à la 4e couture. Ça fait vraiment chier quoi. Mec, ça coûte combien ça, rappelle-moi? 115 balles. Il a fait combien de nuits? Il a fait 6 nuits. Test. Ça tient? Ça va tenir, ouais. Pas rassuré du matelas à tenue. J'ai réussi à dormir sur mon petit matelas. C'est comme un matelas en pute. Voilà. Mais elle a fait bien froid cette nuit, les bouteilles ont gelé. Je pense qu'on devait être un bon moins 8 dans la tente. Et donc là, départ pour Isola 2000. On espère y être dans 2h30. De la bouffe, mec, de la bouffe. On va le casser en deux, ce serpent. C'est parti pour le maxi. Ouh. C'est chiant, mais... Tiens, mec, tu me demander ce que tu vas faire entre le gâteau au chocolat. Et le pain? Et le pain. Faut faire largement le pain. Sanctuaire Sainte-Anne. Et... le bar, là-bas. Et Luc aussi. C'est ça que t'avais oublié.
Voilà, là on rentre dans le refuge. Quel mongol. Ouais. Et voilà. On a. Pas l'eau courante et pas l'électricité. On a Paul, déjà. Ouais, on a 4 lits. Au monde d'avant. Adieu. Là c'est censé faire tout noir. Notre chemin nous conduit de l'autre côté de la frontière, en Italie. Ici, c'est complètement désert. 4 jours sans rencontrer personne. Je me suis rarement senti aussi isolé. Mais c'est exactement ce que je suis venu chercher. Dans ces moments-là, la montagne demande toute mon attention. Et le reste n'existe plus. L'engagement devient total. Et voilà, le Passo Scoletta, 2223 mètres. Deuxième col de la journée pour nous. Regardez-moi ce genre de bivouac ghetto. Lui qui suffit là. Il se dit merde, il est 17h, qu'est-ce que je vais faire pendant 3h jusqu'au dîner? Sur mon mini matelas. Il commence à neiger. Allez, on va s'en sortir. Oh, ça va, super, ça va passer. Tout va bien se passer. Vraiment, ça meule. Surtout qu'on n'a pas pu faire sécher les affaires hier soir vu qu'il n'y avait pas de soleil, vu qu'il neigeait. Et donc tout est trempé. Et là tout est très froid. Ça fait du bien aux pieds, ouais. En vrai, ça peut faire 7 journées plus une journée de repos demain. Ça peut être vraiment cool pour les pieds. On t'attend dans le jardin du gîte. Oh, les cacahuètes, ça c'est le bonheur, ça. Ça c'est pour 6 jours, c'est ça? Oui. 500 grammes, 900. Donc on est à 1,5 kg de cacahuètes. Ok, je pense qu'on est large. Une bouteille de gaz, des Ferrero. Je rigole, c'est du couscous. Oh, je suis dégoûté. Que vois-je? Saucisson? Des cacahuètes. Déjà 12 jours que nous sommes partis. La fatigue se faisait sentir et nos vivres étaient épuisés. Ça fait du bien de se poser au chaud. Les 13 kilos de bouffe qu'on vient de recevoir vont nous permettre de tenir les 6 prochains jours. Ouais, c'est un vieux jeu de mots. Et voilà, on repart du gîte de l'Arche. Ouais, franchement, elles ont été vraiment adorables avec nous, les gardiennes. On a pu squatter dans le refuge pendant notre journée de repos hier. Elles nous ont donné à manger hier soir. Tu te rends compte, l'année dernière, quand le projet est né, on a juste tracé une ligne droite sur la carte, et maintenant on est ici. Maintenant, il faut qu'on finisse de relier la mer au lac, à pied ou à ski. Suivre cette ligne coûte que coûte. On profite des quelques cabanes quand il y en a. Mais pour la plupart des nuits, on dort sous tente. On peut alors s'arrêter où on veut, et adapter facilement notre itinéraire. On est libre, quoi. Pourquoi tu finis pas d'écrire un jour? Tu commences à tu en parles le lendemain? Ou tu finis le jour d'avant? Et que ce qui compte, c'est que ce que t'écris se rapporte à un jour, ou que le jour se rapporte au jour où t'as écrit? Le jour se rapporte au jour où t'as écrit. Donc là, tu vas écrire le jour d'aujourd'hui. Et tu vas raconter hier soir, dans le jour d'aujourd'hui. Non, dans le jour d'hier. Ah, mais tu vois, il y a 2 visions possibles. Je comprends, mais j'adhère pas. Ce soir, Aligo. Thank you.
ça fait plaisir. Franchement, je suis plaisir, c'est une bonne idée. Attention, c'est que prendre 2 minutes et en plus, je vais. Si ça peut nous permettre d'économiser du gaz. Si à un moment tu veux que je te mouille, tu me dis. Allez, ça part en course d'eau. Première fois que la corde serre. Je sens que je vais galérer à remonter là. C'est chaud. Tu passes à travers. Est-ce que ça valait le coup? Pas sûr. Et sans corde, je remontais pas. Drop. Oh, c'est un ravin. C'est un ravin. Est-ce que ça passe? Ouf. Oh. On se croirait à tort. Tu aurais sauté la barre et tu aurais pas posé de questions. Tu sais, quand ton ski gauche est 1 mètre au-dessus de ton ski droit. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Faut se méfier quand il n'y a pas de traces. Hein. C'est la première fois que je vais en caravane de ma vie. Ah ouais, moi aussi, mec. C'est ouais. Pendant la traversée des Alpes à ski. Est-ce que c'est... Est-ce que c'est... A priori, c'est pas celle-là. Hein. A priori, c'est pas celle-là. Ah. Pas mal. Wow. Et ouais. La petite vue sur la caravane. On a un sacré vis-à-vis, quand même. Hein. Je pense qu'on peut se faire un repas à 1500 calories, là. Kilocalories. Et le repas de midi qui nous vient au moins 1500 kilocalories aussi. On doit être à 4000 kilocalories. We need more. On voit rien du tout. Wow. Ah, une trace. Ah bah enfin, on est passé sous les nuages. On y voit un peu plus clair. Notre traversée est divisée par étapes de 4 à 8 jours. Quand c'est possible, nous nous ravitaillons dans les commerces locaux sur notre chemin. Mais dans certains points étapes, nous récupérons des colis de vivres. Notre ennemi principal, c'est le poids des sacs. Jusqu'à 25 kg avec ski, chaussures et 8 jours de vivres. Chaque centaine de grammes compte. Nous avons tout pesé, optimisé, pour être plus léger, plus rapide. Après 15 jours à deux, on retrouve Adélie, Thibaut et Paul à Modane pour la traversée de la Vanoise. L'ambiance change complètement et on retrouve l'euphorie du départ. Il faut aussi se réadapter. Il y a plus d'inertie et la progression en groupe demande plus de vigilance. Ça, c'est la méthode morianaise pour le petit bois. Jour 22. Nous avons fait plus des 2/3 du chemin et les Alpes ont eu le temps de changer. Après les pics aigus du Mercantour, on se retrouve à plus de 3500 mètres sur le grand glacier plat de la Vanoise. À quoi bon partir à l'autre bout du monde? Il y a tellement à voir dans nos massifs. Ça botte pas mal.
Elles sont comment les traces? Elles sont rondes, c'est des gouttières. What the hell? Mais c'est un caillou dedans. C'est du caillou, regarde. Hop, tu peux enlever le caillou comme ça là. Mais ils sont agressifs les cailloux ici. Hein. On vous le dit, on vous le répète, dans cette vallée c'est dangereux de skier. On parle d'agression. On est au stade de l'agression, oui. Et bah là, du beau lavage de chaussettes, ça non? C'est le troisième de l'XP. Sur combien de jours déjà? Nous tairons cette information. En fait je suis sûr que ça les lave pas mais ça leur donne juste une bonne odeur. On est bien rincé là aujourd'hui hein. Ah mec! Bah mon moment préféré moi c'était ma 17ème chute. C'est en image, la 17ème chute de Thibaut. Tu veux regarder plus de détails la caméra? Bon d'ailleurs si vous retrouvez un CrossCall X4 dans la montée du col de Roche Noire, je suis chaud, je suis preneur. On a été 5, il n'y en a plus que 2. Monter à pied, demain encore, monter à pied. Ça y est, les fleurs, les arbres sont en fleurs, les fleurs sont en fleurs. C'est assez normal. Ah, c'est beau! On entame la dernière partie de l'XP. À l'approche du Mont Blanc, le froid revient et la neige avec lui. Alors qu'il fallait parfois porter les skis jusqu'à plus de 2500 mètres dans le sud, on peut maintenant descendre ski au pied jusqu'à 1300 mètres d'altitude. On commence enfin à voir le bout. Un sentiment de légèreté nous gagne et remplace petit à petit la tension des premiers jours. Il fait moins 75 degrés là. Il fait froid. Oh, l'idée à la con, regardez ça, le paysage s'est transformé, c'est de nouveau l'hiver.
C'est ce que la météo a appelé vent tempétueux. J'adore aller dans les vents tempétueux. C'est chaud parce que là on est à court d'aliments. On a juste ce qu'il faut pour un petit dîner, on a même pas de petit déj pour demain. Et c'est vraiment limite là. Je suis à la limite d'appeler l'hélico. Chifoui. Yes, toi tu sors. Oh merde. Luc, tu es bien foutu de la gueule de Luc quand il a explosé son matelas. C'était lui qui croyait prendre. C'était il y a 20 jours exactement. Et voilà, c'est pété pour Paul aussi. Bienvenue dans le club. Qui c'est qui vient de gagner un mini matelas? Il est propre, hein. Bien fait de la réparation. Parce que c'est parti depuis 2 jours. La ligne, on la suit même si c'est la galère. Tous les moyens sont bons pour éviter la route et prendre plus court. L'appel du lac est fort. Malgré les difficultés, je me suis toujours senti à ma place. Ce projet a toujours gardé son sens pour moi. Oh, astucieux. Il faut trouver un lieu de bivouac, c'est compliqué parce que la Haute-Savoie, c'est vraiment très urbanisé. Ouais. Dernier bivouac de l'XP. Pas hyper sauvage. Hein. Ça y est, c'est la fin. Je suis partagé entre l'excitation d'arriver enfin au lac et la nostalgie de voir qu'une page se tourne. Ce voyage aura été une vraie parenthèse, en dehors du temps. Finalement, ce que je viens chercher en montagne, ce n'est pas que la fierté d'atteindre les sommets. La montagne, c'est surtout pour moi le lieu idéal pour vivre des moments forts à plusieurs. Et ça, ça forge les amitiés les plus solides. C'était incroyable de partager ça avec Luc, mais aussi avec Mayeul, Paul, Thibaut et Adélie. Ça nous a bien rapprochés et on rêve déjà d'autres projets ensemble. Il y a encore un paquet de lignes à tracer sur la carte. Et bah voilà, on en aura rêvé, hein, de ce lac pendant 35 jours. Allez, allez.